Salut et bienvenue. Nous allons voir dans ce tuto Inkscape comment réaliser donc cet effet de fumée. Alors c'est une demande qui m'a été faite sur le site donc IMPPAO par rapport donc au tuto qui s'appelle tuto Inkscape Bonne année 2016. Donc on va réutiliser, vous voyez, cet effet qui s'appelle interpoler les sous-chemins pour réaliser tout simplement notre fumée. Et c'est une demande de Daniel. Donc c'est parti, on retourne dans Inkscape. Nous allons ouvrir un nouveau document. Alors on va tout de suite faire un fond d'écran, plutôt un fond de page gris foncé avec un petit dégradé. Donc pour cela, je clique sur l'outil Créer des rectangles et des carrés. Je vais activer le magnétisme ici de la boîte englobante par rapport au coin. Et j'oublie pas ici d'activer le magnétisme au bord de la page, ce qui me permet, voilà, lorsque je me mets au coin, d'avoir une petite information comme quoi je suis bien sur le coin. C'est aimanté, donc je suis sûr que si je clique, je glisse et que je vais à l'autre coin, hop, automatiquement, mon rectangle est bien aux dimensions de ma page. On va mettre un fond de un gris à 60. On va supprimer le contour. Alors, pour supprimer le contour, je vais un petit peu remonter ça là, non? Bon, on va faire apparaître la palette remplissage et contour ici. Et pour supprimer le contour, on va cliquer tout simplement sur la croix. On voit que c'est quand même relativement pâle. C'est tout simplement lié au fait que l'opacité est à 50%. Donc on va glisser pour avoir une opacité à 100% et obtenir notre gris à 60%. Je vais appliquer maintenant donc sur mon fond un dégradé radial. Donc je n'ai qu'à cliquer là-dessus. Donc là, au milieu, on a bien un gris à 60. Ici, on a un gris à 60, mais avec une opacité de 0. Donc on va pousser ça jusqu'à 100%. Et on va changer la couleur. Et on va mettre un gris à 90%. Voilà. On va maintenant utiliser l'outil crayon. Hop. Donc là, on a des informations. Le remplissage est en gris. Pas de contour. Alors, soit on supprime tout de suite le remplissage. Alors pour cela, il faut éviter, vous voyez, que notre rectangle soit sélectionné. Donc je désélectionne, voilà, en cliquant avec la flèche noire à côté, je désélectionne mon rectangle, je clique sur mon crayon, je vais supprimer le remplissage de mon crayon ici. Là, on voit qu'on n'a aucun et aucun contour, et on va mettre un contour blanc. Donc pour cela, j'appuie sur Shift et je clique ici sur la petite couleur. Hop. Pour avoir donc mon contour blanc et on voit style de contour 8. Donc ça on pourra changer la grosseur qu'après. Donc on va tout de suite faire une petite ligne sinueuse comme ceci. Alors une deuxième chose, bien vérifier qu'ici on a créé un chemin de Bézier régulier et un lissage à 50% de façon à avoir très peu de nœuds. Là on voit qu'on a 5 objets, 5 nœuds en fait. Tac. Donc grâce à l'outil nœud, vous voyez, on peut déplacer les nœuds comme ça. Maintenant, on a accès donc à l'épaisseur. On change l'épaisseur, on met ça à 1. Voilà. Je vais dupliquer cet objet. Donc avec la flèche, je sélectionne mon objet et je le duplique en cliquant là-dessus ou en faisant CTRL D ou en allant dans Éditer, Dupliquer. Comme ceci. Je sélectionne maintenant l'outil Éditer les nœuds ou je peux cliquer sur F2. Et je déplace les nœuds comme ceci, donc 1 à 1, où on peut. Ouais, moi je vais faire ça comme ça, c'est pas mal. Tac. Voilà. On va combiner ces deux contours, deux lignes, avec Shift. Voilà, j'ai les deux objets qui ont été sélectionnés. Et je vais dans Chemin, je fais Combiner, CTRL K. Nous allons maintenant aller dans Chemin, Effet de chemin. On clique sur le petit plus et on va choisir ici interpoler les sous-chemins et on fait ajouter. À ce moment-là, on voit que Inkscape a généré donc 1, 2, 3 lignes supplémentaires. En tout, on en a 5. Ben, nous, on va en mettre 50. Voilà, de façon à obtenir l'effet qu'on a vu dans le tuto de 2016, précédemment. Donc là, ça ne ressemble pas encore à de la fumée. Pour vraiment améliorer tout ça, on va utiliser l'outil dégradé. Alors, on va mettre un dégradé linéaire sur le fond, donc on coche cette case ici, on se met en bas de notre objet et on clique, on glisse. Alors comme ceci, je me suis trompé en fait, c'était pas le remplissage, c'était le contour, donc CTRL Z et je sélectionne mon contour. Voilà. Et là maintenant si je clique, je glisse, vous voyez, hop,
on obtient un effet qui est déjà un peu plus sympa, qui permet d'estomper la fumée vers le haut. On va un petit peu modifier ici notre interpolation en cliquant là-dessus. J'aurais dû le faire avant. Et on a une petite ligne verte qui apparaît. Il suffit donc de se mettre au milieu, de cliquer glisser. Et vous voyez, on obtient quelque chose de relativement intéressant, ce qui donne un petit peu de volume ici à notre forme. On peut également rajouter des petits points, des petits nœuds pardon, sur cette ligne en double-cliquant. Hop, je double-clique. Je vais mettre ici, je vais en rajouter que deux. Mais on peut en rajouter plusieurs de façon, vous voyez, à avoir quelque chose d'encore un petit peu plus travaillé et d'avoir ici des effets qui sont vraiment sympas. Et pour parfaire vraiment notre effet fumé, alors là, rien de plus simple. Dans la palette remplissage ici et contour, on sélectionne notre objet et on va mettre un flou ici de 1. Et vous voyez tout de suite, voilà, l'effet obtenu est vraiment sympa. On peut maintenant, une fois qu'on a fait notre objet de base, on duplique cet objet en cliquant là-dessus ou CTRL-D. On sélectionne l'outil éditer les nœuds, hop, et on va pouvoir, alors je vais faire un rectangle de sélection comme ceci. Je vais déplacer un nœud. À ce moment-là, je prends tous les nœuds. Mais en appuyant sur Alt, ça me permet de déplacer, vous voyez, mon objet. C'est comme s'il y avait une aimantation ici. Et les nœuds les plus éloignés ne bougent pas. Voilà. Et on peut, comme cela, donc retravailler et fabriquer une nouvelle fumée, une nouvelle forme. Par contre, vous voyez, il y a un petit décalage donc, entre notre ligne et ce qui est réalisé. Donc, on peut réinitialiser notre effet ici. Donc, on le supprime et on en rajoute un. Hop, de façon, donc toujours un 50, hop. On modifie ça et ça. Je rajoute deux petits nœuds, tac. Voilà. De façon, vous voyez, à ce que ça colle davantage à l'objet qu'il y a derrière. Allez, on va dire que c'est bon. On peut continuer à travailler notre dégradé. Par exemple, je mets bien sur la ligne. Donc, j'ai sélectionné l'outil dégradé. Je mets bien ici sur la ligne. On voit qu'il y a un petit plus. Donc, je peux rajouter des couleurs en double-cliquant tout simplement. Hop, CTRL-Z, voilà. Et on va pouvoir ajouter, au lieu d'un blanc, on va rajouter peut-être un gris à 20 ici. Ici, un gris un petit peu plus foncé à 60. Alors, on s'aperçoit que le dégradé, lorsque je modifie, je modifie également celui d'à côté. Donc, ce n'est pas ce que je souhaite. Donc, je fais CTRL-Z. Je vais aller ici dans les préférences globales d'Inkscape. Je vais sélectionner dégradé et je vais faire interdire le partage. Donc, une fois ceci coché, lorsque je vais modifier ce dégradé, automatiquement, il va me dupliquer. Vous voyez, hop, il m'a dupliqué. Voilà. Je vais mettre un peu plus foncé là. Je vais peut-être mettre la même couleur en haut. Donc, je clique là-dessus, je copie, je me mets ici sur le petit rond et je colle. Par contre, je vais baisser l'opacité, donc que de cette couleur grise en haut. Et je vais la passer à 0. Voilà. Donc là, je vais mettre cette fumée-là au-dessus de l'autre. Et par contre, je vais diminuer l'opacité totale de l'objet. Je vais passer ça à 50%. Voilà. Et vous voyez, la fumée grise passe bien devant l'autre. Donc après, il ne nous reste plus qu'à réaliser une petite cigarette. Ce que je ne vais pas faire dans ce petit tuto qui est fini. On peut, allez, une dernière chose. Avec l'outil crayon, on peut rajouter des objets comme ceci. Hop, ici, une petite forme simple. J'appuie sur Shift pour ajouter ici une autre forme. Tac, je vais mettre une autre forme là. Allez, une autre forme ici. Je vais joindre ici ces deux nœuds en cliquant là-dessus. Hop. Ben là, je vais tout simplement mettre une couleur blanche de remplissage. On va passer ça à 100%. On va supprimer le contour. Donc j'appuie sur la croix, sur Shift et sur la croix de façon à ce qu'il n'y ait plus de contour. Et là, on va tout simplement mettre un petit flou
Allez, à 10 pour voir ce que ça donne. Voilà, hop. On peut appliquer également un dégradé. Alors, qu'est-ce qu'on a en dégradé? On peut peut-être appliquer le même qu'ici. J'ai... Voilà, hop. Donc, vous voyez, en rajoutant d'autres formes, mais vraiment très très simple, avec un petit flou, hop, on obtient encore quelque chose d'un peu plus intéressant. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto, et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, ou si vous voulez des tutos en plus. Voilà, je vous remercie, au revoir.